Salut à tous les gars, c'est Vinsky et c'est Rahim à ma gauche. Vous l'avez vu dans le titre, une vidéo vraiment, pour le coup, c'est vraiment très spécial. On dit souvent qu'on est sur YouTube, on sera dans cette enceinte de la Paris, la Défense Arena, pour créer la carte FIFA Ultimate Team de Rahim. Ce sera une carte légende enfin, parce que... Rahim quoi ? Enfin déjà, c'est vrai que, après 7 disait, ans, c'est comme si tu je méritais une carte quand même. Donc oui, vous l'avez vu dans le titre, Rahim va prendre alors sa retraite, tu vas continuer à faire à travailler dans ta vie. Mais en tout cas, tu vas arrêter du coup avec le Vinsky FC en tant que joueur en tout cas. Exactement, je vais arrêter avec le Vinsky FC, je vais déménager je pense. Donc du coup, je ne serai plus là pour les entraînements, vous ne verrez plus ma superbe attitude, mon calme légendaire. Et surtout mes roulettes. Les je roulettes. Sais que c'est ça qui va vous manquer le plus, mais je m'inquiète pas, il y a du niveau, ça va bien se passer. C'est un truc que je fais depuis 2017, comme tu dis. Et du coup, on va en profiter pour faire cette carte. C'est un honneur. Franchement, c'est un honneur. Ouais, ça va être plaisir. Je pense la plus belle carte dans le plus bel endroit. On l'a même pas dit, bien sûr, mais la carte va se créer en direct. Cette grande surface de projection qui est juste énormissime. Elle est vraiment gigantesque. Pour créer la carte de Rahim, il va falloir mettre de l'adversité devant lui. Par contre, du abusé. Coup, je vais aller en défense par exemple de dribble. C'est mais... facile. Mais on va surtout appeler un grand attaquant Paul et un grand gardien Herman du Vinsky Football Club qui vont m'aider à affronter Rahim. Comment vous allez? Moi ça va très bien. Ça va très bien, d'être là. Et toi Herman? Moi j'ai bien aussi. Hein. Vous étiez déjà venu? J'ai vu un match de basket là, il y a des semaines ici. Et toi Paul? Non, moi jamais. Jamais à la télévision. Donc toi t'es jamais venu dans l'enceinte mais tu vas sur le terrain directement. Directement. Pour ta première. Et ma carte c'est là avec mon âge maintenant ou c'est tu vas rajouter des points pour tout ce que j'ai fait? Bah en fait oui effectivement, vu que c'est une carte légende, on va faire des notes c'est par rapport à ce qui se passe. Il sait qu'il va avoir 12 mais il y aura un peu de boost parce qu'effectivement c'est une carte légende. Vous savez pas comment ma mère va être. Ah ta mère va être très contente. Elle adore les cartes icônes, ma mère. Elle collectionne les cartes icônes. Ok, c'est parti pour un de vitesse. Je suis désolé, Rahim, il va falloir courir. Bon, il y a zéro chance que je gagne ce défi, mais je vais essayer d'être le plus près possible. Je me rapproche. Rahim, il va tricher, je vous préviens. Vous êtes prêts ou pas? 3, 2, 1, let's go! Voilà la vitesse. Alors, Rahim va l'offrir très fort de son défi. Il a gagné. C'est Paul à deux doigts. Ouh. Mais sincèrement, ça s'est joué à très très peu. Il va très vite. J'ai poussé un peu la balle à la fin pour le rattraper. Je dis la vérité. Bien joué, Paul. La note est maintenant à jour. 85 de vitesse pour une carte icône. C'est très très propre. Et maintenant, c'est la note, comme vous pouvez le voir. La suivante, c'est les dribbles. Donc c'est moi qui va devoir te défendre face à Rahim. Ta note sera créée par rapport aux gestes que tu créeras, les buts que tu mettras, etc. etc. De toute façon, le but, c'est de vous dribbler tous les deux. Voilà, calme-toi. Ok. Oh, le geste, il était ouf. Il m'a hypnotisé. Mais heureusement, j'ai réussi à l'avoir à la fin. Le fameux. Ah, au-dessus. Oh. Ah non, mais pourquoi je passe pas? Ah, j'ai vu qu'il passe. J'ai raté le plus simple. Et non. Allez, là. Allez. Et je vais à Basic Fit maintenant. Je vais à Basic Fit. Oh, bien joué, Herman. Oh, le bâtard. Oh, en physique, on va pas me mettre beaucoup. Je vous le dis tout de suite. Oh, j'ai fait un petit pont. Et... joué, Herman. Ah, l'enfoiré. Je t'attends, mon petit. Je suis le président du club, n'oublie pas. Oh, bah, oh non, j'ai pas le droit. Ah, dommage. En plus, tu m'avais mélangé, là. Bon, c'est les dribbles, c'est pas les tirs, non? Ça marche. Oh, mais j'ai pas le droit. Dommage. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer dans les tirs que je t'ai tiré là. Je suis trop concentré sur mes dribbles. La note de dribble, bon on le sait, Rahim hein, c'est vraiment son truc, c'est les dribbles, les roulettes, les gestes un peu fantasques. Du coup la note s'affiche là-haut, 92 en dribble, ça te paraît logique Herman ou pas? Ouais.
Évidemment. Techniquement, il fait partie des leaders dans l'équipe. Non, c'est vrai, non, sans blague, franchement, c'est avec Raïm, techniquement parlant, c'est très fort. Donc maintenant, c'est la note de tir. Et là, c'est pas moi qui vais tirer, c'est un certain Paul, le mec qui l'a affronté au début dans le sprint avec balle au pied. Sauf que là, Paul, ça tire très fort, ça va être super intéressant. Herman, bonne chance. Voilà, en plus, Herman, là, t'as deux styles. T'as un bourrin et un. Ouais. Enfin... Ah, wow. Oui, mais après Paul, on lui a pas expliqué. On lui a pas expliqué si c'est ce but-là. Lui, il est en. C'est la première fois qu'il voit un stade de rugby. Ah, oui. Ah. Ça fait 1-0. Bien joué, Polo. Oh, bien joué. Bien joué, Herman. Elle est vicieuse, 2-2. Ah là 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 là. Oh là 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 là. Est-ce qu'il y a marqué la carte à Paul là-haut? Non. Deux Paul. Déjà on dit pas A. C'est pour le contenu. C'est pour le contenu, merci Paul. Oh mais c'est un truc de ouf. Je pense que les buts, vu qu'on est dans un terrain de rugby, ils sont pas aux normes. C'est ça normalement c'est Lucarne. C'était les guidés. Oh là 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 là. Attends, bouge pas. Tu vas prendre une lucarne chacun, ça va te faire du bien. Ah oh là 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 là. Oh non mais celle-là. Donnez mes points à Paul. C'est la tête d'un président content parce que ça c'est l'avenir. Waouh. C'est puissant. Bien joué, Herman. Oui. Vu que c'est la dernière vidéo au sein du Vizca FC, vous allez voir un truc très très rare. Une frappe pied droit. Oh là là. C'est pas mal. C'est la première fois que je t'ai reçu fort du droit. Bon, les tirs, c'est pas que les frappes arrêtées et les coups francs. On vous a montré avec Paul qu'on a une petite facilité. Là, on y va, les reprises. C'est là où on voit la qualité d'un vrai attaquant, Paul. Oh, bien joué, hermano. Oh. Oh, la vie. Ah. Bien joué, Herman. Oh là là, magnifique. De la surface. Raïm peut tenter une touche, la frappe. Allez, vas-y, fuis. Après ces frappes arrêtées et les reprises de volée, du coup, il a une note de 93, Raïm, je pense que c'est... Enfin, voilà, c'est la meilleure note qu'il a. Bravo Raïm, c'est quasiment comme les dribbles. Ce que j'aime bien, ce qu'il faut dire, c'est que, tu vois, pour moi, il a 93 aussi. En fait, vous n'avez pas du tout le même style de tir. Non, rien à voir. Bah, tu vois, moi, je suis plus physique, ça se voit. Tu vois, je vais beaucoup plus à la salle. Mais du coup, 93, maintenant, c'est la note de défense. Donc, Paul va attaquer face à Raïm. Paul qui attaque contre moi? Ouais. Allez, j'y vais. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Voilà. Tu vois, t'as peur. Tu vois, t'as peur déjà. J'impose. T'as peur. J'impose le respect. Herman, pourquoi moi tu les arrêtes et lui tu les arrêtes pas? Allez. C'est où là? Oh. Faute. Y a rien du tout, monsieur l'arbitre. Oh magnifique. Oh le bâtard. Oh là 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 là, c'est incroyable. Ah. 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 Coach,
Oui, j'ai jamais voulu défendre. Alors que je peux un peu. La fin de l'exercice de la défense. Et franchement, Raïm, ça va quand même. En fait, tu pouvais défendre durant toutes ces années. Ouais, mais déjà, je tiens à dire que je défends, je fais un pressing. Ça s'appelle défense. Non, c'est ça que tu fais un pressing. Vous avez vu des images de match où je prends des petits ponts, tout ça. Ouais, c'est pas ma qualité première. Mais là, en fait, c'est juste parce que Paul, il me saoule. Non, Paul, à un moment donné, on voit l'image, là, il a fait un enchaînement. Même moi, il m'a dribblé, je regardais juste l'action. Mais je me suis retrouvé à jambon alors que j'étais là, je comprends pas le délire. Non, franchement, c'était magnifique. Maintenant, c'est la note de passe. Donc là, t'es solo et tu dois viser un mini but avec une distance assez importante. Ça, c'est 90 minimum, j'ai aucun problème. Minimum. Bah oui, parce que moi, je fais des passes, Paul. Ah. Vous irez voir sur TikTok. C'est-à-dire que je suis devant lui tout le long et il me fait pas la passe. C'est pour ça qu'il est agressif avec moi. De passe, Raïm, donc t'as dû voir toutes les vidéos que j'ai faites avec tous les pros. Il y a souvent des distances différentes. Et donc, du coup, là, je t'ai mis, alors je n'ai pas calculé les distances, mais tu as trois ballons à cette distance-là, donc c'est toujours une croix. Et ensuite, la caméra, peut-être qu'on peut le montrer. Deux ballons à la troisième croix et deux ballons à la quatrième croix. C'est vraiment très bien. C'est parti, j'ai vraiment un score de ouf, Raïm. Premier essai, c'est validé. Le but est assez grand, plus grand que d'habitude. Je vais casser ta cam. Bah, ça va passer à travers les filets. Ça fait deux. Et j'espère qu'il va viser le 3 sur 3, ça serait cool. Super, allez, on recule. Ah là encore, ça va, je pense. Je pense que je vais au moins en mettre 2 sur 3. Oh là là là. Le poteau, c'est le loupé, mais à très peu. Oh là, super, double poteau. On aura des bonus que c'est des poteaux, mais c'est des loupés quand même. Et lui, il est validé. Plus de deux ballons à cette distance, moins de chance. Là, c'est vraiment plus dur. Il est magnifique, celui-là, il est validé. C'est très très bon, tu as 4, tu as 5 sur 7. C'est dedans. Ouh, ça frôle. C'est dedans. On ne se rend pas compte. C'est loin. C'est loin. Alors pour un gaucher, vu que je mets de l'effet sans faire exprès, je pense que je vais viser là-bas à gauche. Lui, il est dedans. Ah, t'es trop d'effet. Non, il est dedans. Oh là là là. Ça a frôlé. J'avais tenté un truc fou. Oh non, fais pas les stars du pied. Oh si, mais c'est pas bête, merci. Ah, dommage. Et voilà, bah, ça résumera Raïm, c'est qu'il a tenté le dernier essai avec l'histoire du pied, ce qui est vraiment quasiment. Tu veux dire que je suis présomptueux ? Ouais. Note de passe 86, c'est sur l'écran, voilà, il a eu ce qu'il a mérité, il a tenté des choses assez un peu risquées, deux poteaux, l'extérieur du pied, bonjour, c'était très propre quand même. Donc ça mérite quand même une belle note de passe. Il y a les passes de match, là, le petit extérieur, là, oui, sur la tête passe de Mathias, ça a gonflé la note, ça fait plaisir. Quelle note on met à Raïm en physique? Allez, c'est parti pour la Hagra. Allez, on y va. Bon, qu'est-ce que tu as à dire, Paul? Le physique. Qu'est-ce qu'il y a dans le physique alors? C'est un peu la force, en même temps l'endurance. C'est vrai qu'en protection de balle, il est chaud. On va avoir du mal à me trouver beaucoup de qualité physique. Je suis nul de la tête. On en dérange, je vous permets pas. C'est juste que j'ai pas votre âge. Ah. Ok. Mais en forêt, au début d'année, vous me suiviez? Non, je crois pas. Quand est-ce que tu as fait une préparation physique avec nous? C'est derrière. En même temps, quand on voit le physique de Paul, non. Est-ce qu'il a vraiment besoin? En fait, là, honnêtement, là, maintenant, à mon âge, pas au-dessus de 75. Genre. Ouais, moi aussi, je dis. Avec l'âge. Allez, le physique, normalement, ça reste. Dis la vérité. Moi, 80. 80? Bah, parce que j'en dis que l'endurance. Après, il est très costaud. 75, quoi. Parce que, comme moi. Ouais, moi, je dirais 75. C'est toi, président, qui décide. Moi aussi, je dirais pareil. Franchement, c'est une bonne note parce que. Raïm, regardez déjà, il sait faire des pompes très rapidement et très, de manière très belle. Oh. Et surtout, oh, avec une main, vous avez allez, vu, il 74, 74, 176 avec ce que je viens de faire. Ouais, vraiment. T'as baissé. La carte finale, légende, icône si vous voulez, de Raïm s'affiche maintenant à l'écran. Elle est juste magnifique. D'ailleurs, il faut que je l'imprime pour te l'offrir quand même. C'est gentil. Faut quand même l'imprimer pour lui offrir, on le demandera à macartofit.com. On l'a bien pimpé, hein. On a bien tu mis connais tôt. Un peu avec les highlights des saisons. On a bien pimpé ça au montage. On va dire la vérité, en plus, c'était même pas prévu. C'est pas vraiment prévu, ouais. C'était on a eu un petit truc qui a fait qu'on a dû changer vite. Mais je suis trop content enfin de faire cette carte. Et à part ça, longue vie au Vince KFC. De toute façon, je serai toujours là, vous me verrez toujours. Juste, je ne joue plus. Je reviendrai commenter quelques matchs, je serai toujours là. Merci à toi pour ces moments. Merci à Raphaël.
qui a su prendre les buts quand il fallait. Parce que c'est un goal. merci à tous, j'ai kiffé. Et moi, du coup, en tant que président, bien sûr, un grand merci à Raïm. C'est un moment un peu émotion. Hein. Et merci beaucoup, Raïm, pour tout ce que tu as fait pour le club. Et de toute façon, hein, comme il a dit, Raïm, vous le verrez toujours. Le VSK FC, c'est que le début. Abonnez-vous d'ailleurs à la chaîne et mettez un pouce bleu si ce n'est pas déjà fait. Voilà, Raïm, je te laisse le dernier mot, parce que c'est ta vidéo. Le dernier mot ? Ouais, le dernier mot de la vidéo. C'est toujours le même. Peace and game, les gars. Ah, voilà, ça c'est pas assez bien, mais le foot, c'est mieux. Salut, les gars, merci beaucoup.